Yeah, I'm sick of always having the same type of beat. Oh, sick of people living like they weak. Oh, complaints built from 2 HRs a tweet. Oh, solve all problems only by retreat. Oh, worry more about style and what they eat. Oh, see potential profit when they meet. Yo, and I'm already sick of this melody, change it up. Yeah, I'm sick of all these bitches popping bigs to get clout. Yeah, rich kids popping pills to test out. Yeah, attention seekers trying to check him out. Yeah, and you got better shit to talk about. Oh, corrupted minds, chasing my life, stupid chance. Creating plans, living balanced on the lines. Yeah. Fucked up grind, still trying to find truth. But the truth is that the youth getting blind. Whoa, whoa, whoa. Can anybody tell me what just happened to the fucking folk? What if people getting up with some dreams and with no coke? What if I just see some rich bitches acting like they broke? What if I hear politicians saying nothing but some jokes? I try to stay calm. And on this way I probably lose my mind. Till I find the perfect way to shine. I just shares of get his bitches with a thing far behind it. I hate you and you and everybody who ain't staying true. I do, now let me introduce myself to you. And you always giving it up so I don't get like you. My shoe so big so I can beat your fucking ass to the grass now. Why you asking for VIP pass? I'm the staff, living fast. Don't need no career last. Angry cause I walk this past you. Try to fuck with mine, you bitches dragged you. And I remind you best you. I'm sick of all these bitches talking shit to feel life. Oh, ain't paying anybody like you strive. Oh, put no indicator when you drive. Oh, hope you ain't killing no one when you die. Oh, stay still, motherfucker. Stay real. Get bills, spread for fuck's sake, stick still. It's your ego that's influenced by your skill. Don't think you are better cause you know the drill. You're like everybody else. All these bitches popping bigs to get clout. Yeah, rich kids popping pills to test out. Yeah, attention seekers trying to check him out. Yeah, and you got better shit to talk about now. Hey. Bitch. Et bonsoir à tous, ici Nonline. On se retrouve ce soir pour le cast du match de la Soul Academy contre la Hydra New Leask. Et je suis accompagné de Alarm. Bonsoir Alarm. Merci, merci. Bonsoir, bonsoir à tous. Comment vas-tu? Eh bien, écoute, ma foi, fort bien, fort bien. On va se dépêcher de lancer le match. On est un tout petit peu en retard. Bon, c'est pas grave, hein. Mais ça arrive. Voilà. Effectivement, hein. On va voir. Nous avons donc ce soir un match de qualité. Donc sur le même map pool, toujours Oasis, Eichenwald, Esperanza, Gibraltar et Alamoa pour départager les deux équipes s'il le faut. Nous avons deux équipes plutôt bonnes, ma foi. Je pense qu'on est plutôt gâtés ce soir en termes de niveau. Effectivement, alors moi n'ayant aucune connaissance d'aucune des deux équipes, enfin j'ai pas de base de contact avant, j'ai hâte de voir ce que ça va donner en tout cas, hein. Visiblement l'inverse de toi Nonline, qui connaît quelques joueurs. Ah, il se pourrait bien que je connaisse quelques joueurs de la Soul Academy. Bon, c'est pas grave, hein, mais bon, oui, il se pourrait que j'ai déjà joué avec eux, voilà. Écoutez, on va tout de suite partir pour Oasis. Nous allons donc pouvoir voir une KOTH en première map pour lancer la partie normalement. Alors,
On a envie de voir les compos que vont pouvoir choisir ces deux équipes. Bah, effectivement, moi je vais te poser la question. Tout d'abord, cette map, qu'est-ce qu'elle évoque pour toi? C'est une bonne map, on va dire. On va sentir, c'est pas une de mes préférées, mais bon, c'est une KOTH. Ça, c'est assez sympa à jouer. Voilà, on va pouvoir y jouer de la dive. C'est ce que les deux équipes ont l'air. C'est ce vers quoi les deux équipes ont l'air de se diriger. On va avoir deux dives très différentes. On a une dive TPC Winston du côté de la New Leaks, pardon, excusez-moi. Et on a une dive Diva Genji de l'autre. On va vite voir ce que ça peut donner. Effectivement, quelques petites différences notables. Hein. Bah justement, voilà On a un... Ok, on a cherché à prendre tout de suite la hauteur, effectivement. On va chercher à aller pick ce Genji Tedra. qui a overgrid. Hein. Ouais, hein. Le Genji instantanément pris. Et le monkey Voilà. là qui va chercher le. Effectivement, le. Créer l'espace et qui revient tout de suite, hein. Ah, on va éviter de jouer trop greedy, ça peut porter préjudice. On l'a vu sur le Genji de la Soul qui s'est fait pique parce qu'il est parti un peu tout seul. Justement, on va pas être greedy des deux côtés, hein. Vraiment, à la fois côté Hydra, on va vraiment jouer le point. Et côté effectivement Soul, bah on va chercher à se regrouper. Pourquoi pas? En tout cas. Pour l'instant, Attention, Suprême qui tombe très bas en vie mais qui se fait remonter par ses healers. Hydra qui contrôle bien la map, hein. Vraiment, je sais pas ce que t'en penses, mais pour l'instant, Hydra ouais, qui est bien installé dans son match, hein. Pour un Ah. début, première map. Y a pas à dire, pour l'instant, ils sont partout, hein. Y a pas vraiment d'espace laissé à la Soul. La Soul essaye de tomber le tank, mais ça ne marche pas. Bah, j'ai l'impression, voilà, effectivement, on a une diva qui essaie d'aggro d'un côté, mais le Reaper qui joue de l'autre, et on a du mal à prendre des piques, quoi. Finalement, ça a pas trop d'effet. Ok, le Tracer qui s'écarte sur la droite. Ouais, semble Une qu'elle gagne bombe vie. chargée par Suprême. Est-ce qu'on la lâcherait pas pour ce fight? Attention, une bombe très compliquée à lâcher sur ce point. Beaucoup de cover. Voilà, Et on arrive à prendre les premiers piques, hein. on arrive à prendre les premiers piques, hein, côté Soul, on est d'accord. Exactement. Et Voilà. ça part effectivement de ce premier pick tracer, hein, qui Et on après sécurise snowball. le fight, hein. Et en plus on a les ults, hein, qui on en parle, mais effectivement on a que l'ult Kiriko qui a été claqué. Oh, Kaka, c'est vrai qu'il y a la nano aussi. Il reste encore effectivement la bombe et l'ult de Reaper. On va voir comment ça va se jouer, hein. Parce qu'avec le beat, on peut counter, hein, certaines choses, donc enfin, l'ult Reaper, donc à voir. Ok, on se regarde un peu dans les yeux, hein, pour l'instant. Ok, la Tracer qui engage, le Monkey qui follow, et la Blade qui est mise. Premier pick par Tracer, le Claque, Monkey qui lâche son ult. on claque beaucoup d'ult côté New Leaks, et très très peu côté Soul. Ça permet peut-être de perdre le fight, mais d'avoir des ressources pour la suite, hein. Attention, hein, ça peut. Je pense que c'est toujours double tranchant, hein, cette histoire. Hein. Parce qu'effectivement, là, ils vont être un peu démunis quand on va falloir claquer bah, les ults en face, quoi. Hein. Vraiment, le Reaper. Hein. Une belle save de la part 92%. de Erendil. Erendil. Attention, hein. Et le Reaper qui a mis sa TP, attention, parce que là, t'as 100. Non, il repart en fade, hein, il recule. Ok, on joue bien Attention à la reculer. Kiriko dans le bot, hein. Le Reaper un peu mal claqué, c'est dommage. Et la Attention à bombe la qu'elle a belle lâchée. bombe. Ouais, Belle mais bombe, belle pareil, bombe. hein. Ah, dommage, hein. Ah, elle était un peu à côté, hein. Et en plus, ils prennent le meilleur, hein, côté. Ouais, effectivement, côté Hydra, hein, qui finish, hein. Ah, c'était compliqué. Ça va être une première minimap win par l'Hydra. Effectivement, Hydra New Leak. Qui, ouais, je. Enfin, pour l'instant, j'ai pas donné d'avis en disant est-ce qu'ils ont été meilleurs ou pas, mais pour l'instant, ils sont juste plus dans leur match en tout cas. Je sais pas ce que t'en penses. Actuellement, je pense pas qu'on puisse vraiment se prononcer non sur l'issue de ce match.
On a vu une map assez ouverte, assez propice à la dive. Là, on va voir une map qui est plus propice à la poke. Une map où Orisa, justement, comme on peut le voir, va être un peu supérieure. On va vite voir ce que ça va donner. Est-ce que c'était pas la compo qui n'allait pas à la soul? Et notamment à leur tank suprême. Effectivement, très bonne question. Hein, parce qu'avec, encore une fois, la mage était que la semaine dernière, les gens ont pu tester. On va voir ce que ça va donner. Hein. Après, les gens sont ambitieux, on parle pas de joueur qui est là depuis seulement 6 mois. Après, connaissant Suprême, sa diva était un bon pick à l'époque où je jouais avec lui. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui sur Overwatch 2 ça a pas changé? Je ne sais pas. Oh là là, bah la Orisa qui avait fait une grosse aggro hein, côté Hydra, mais bah, c'est fait un peu dégager, hein. C'est même carrément bousculé, j'ai envie de dire. Ouais, ce qui permet à la Soul de prendre le top, de maîtriser cette hauteur, qui va donner un avantage certain sur le fight. Exactement, et comme ils ont cap, ils ont lâché la hauteur. Hein. Ouais. On va voir notamment leur Baptiste qui va être tranquille dans son top, juste attention. Un peu dérangé par une Sojourne. Attention, parce que ce duel, s'il aurait pu la gagner la Sojourne, ça aurait pu faire mal. Hein. Une Sojourne bien énervée. Cette Sojourne qui a pris le top hein, maintenant, hein, qui a... C'est clair. Et là, on a mis l'ult Kiriko. Hein. Là, ça devrait enchaîner. Le Reaper qui fait extrêmement mal dans la backline, mais le duel Sojourn-Auteur, ah non, effectivement. Ouais, le beat engagé des deux côtés, hein, on voit. C'est clair. Baptiste qui a chargé son ult moins rapidement que Kiriko. Et là, Hydra encore, hein. Hydra 42, hein. Ouais, c'est 43-0. C'est dommage, c'est loose fight. Si on n'avait pas laissé cap dès le début, peut-être en droppant un peu plus vite. On serait peut-être pas arrivé à ce résultat, on aurait peut-être un ou deux fights de plus tard. Ah, la preuve que des fois les matchs se jouent à une petite décision, hein, des fois, hein, pour le snowball. Hein. Ah, ça peut jouer. Hein. Ok. Là, on voit le top qui est instantanément pris par Hydra. Hein. Ils ont raison, regarde, ça retombe. Hein. Et on y va, et Light qui prend le bon pic hein, sur Lucio. Oh, il semble encore un fight compliqué, Limo est pété. Ah ouais, hein. Là, ouais, bah l'ult Orisa qui est mis, mais bon, forcément, hein. C'est bien contré. Ouf. Ouais. C'est dommage, voilà. Hein. On voit une synchronisation dans l'utilisation des ults côté Hydra, que malheureusement, il va nous manquer côté Soul sur ce dernier fight. C'est vrai. Je pense que là, ça va être compliqué de retouch. Est-ce que Lucio qui va tenter? Ouais, si le Reaper. On va peut-être avoir un... Ah, dommage. Ah, effectivement. Ouais, dommage. Au pixel près, ça aurait pu passer. Et c'est une première map remportée par l'Hydra. Effectivement. Ah, bon, on rappelle tout de même que côté Soul, on a des joueurs console. Donc, des joueurs console qui jouent contre des joueurs PC, ça donne que les joueurs console n'ont plus leur aim assist. Alors... Ah, on me chuchote à l'oreillette que si, en fait. D'accord, alors on me confirme bien que l'aim assist est toujours présent. Il me semblait pas, mais apparemment si. Il se ressent apparemment beaucoup au niveau du combat au corps à corps. Est-ce que ça va peut-être jouer en la faveur de la Soul? Je ne sais pas. Après, c'est des joueurs qui sont habitués à jouer comme ça. Est-ce que le désavantage du joystick n'est pas compensé par la aim assist? C'est un débat long qui dure depuis des dizaines d'années. Je pense pas qu'on le tranchera ce soir. Ouais, vas-y, ouais. On part donc sur Eichenwald désormais, une hybride. C'est assez intéressant à regarder en deuxième map. Pour la simple et bonne raison qu'on va pouvoir utiliser d'autres compos. Effectivement, voir d'autres combinaisons. On avait vu la semaine dernière
Une bonne utilisation de Stéphane Mercy, hein, si je dis pas de bêtises, hein, non. Ouais, je crois que c'était ça, hein. Tu peux confirmer, mon cher ami Oui, c'est bien ça. On Line. a on avait trouvé deux compos Faramir Merci en attaque comme en défense. On avait eu des compos assez différentes par rapport à Oasis. Oasis où on avait joué beaucoup de dive. Et là, on avait joué de la dive, mais uniquement en attaque. On avait eu beaucoup de poke en défense. Une pop qui n'était pas passée côté défense la semaine dernière. Ok, effectivement, le retour, bah voilà, on l'avait call, hein, faire un merci. Alors, non pas avec une hache, mais avec une sojourne. Et on a un Sigma qui est sorti Oui. côté Lix. Donc on va pouvoir voir Et ce qu'est-ce que tu personnage penses? qu'on n'a pas vu pour l'instant en cast ensemble. Qu'est-ce que tu penses, toi, justement, de ce choix, vu que c'est un peu atypique? Sigma peut être assez puissant s'il est bien maîtrisé, surtout sur cette map où on a un choc dès le début, où il va pouvoir infliger pas mal de dégâts, surtout face à la compo. Ils ont pas cette information, mais face à la compo de la Soul, qui va jouer un Reinhardt, qui va être assez facilement counter par un Sigma bien joué. Si le Sigma gère bien sa ressource, le Reinhardt ne pourra tout simplement rien faire. Ça va être assez intéressant à voir. On va pouvoir voir l'engagement de ce fight. Effectivement, le renard qui Donc prend ce tout de suite Sigma. de l'espace, hein. Vraiment Voilà. l'espace. On voit un Sigma qui recule au fur et à mesure que le Reinhardt arrive. C'est justement ce qu'il faut faire avec ce personnage. On va voir s'il garde son caillou pour une potentielle charge du Reinhardt. Et on n'en parle pas, mais effectivement, la Fera Et Mercy voilà. qui font un carnage dans le backlane, hein. Pendant qu'ils avançaient, eux ont complètement oublié leur Reinhardt. Et ont avancé et ont pris bah, deux kills, hein, clairement. Bien joué! Et déjà quasi un ult hein, côté Pharah. Il faut toujours, toujours, toujours faire gaffe à une Pharah Mercy. On voit tout de suite le double changement côté Soul. On prend un double hitscan instantanément pour counter cette Pharah Mercy. Là, Et oui. il n'y a pas débat. On prend même une Mercy pour boost un de nos hitscans pour vraiment la sortir dès l'entrée de fight. Ouais, j'aurais peut-être préféré plus une hache à... Ok, attention, encore une fois, le duel. Et ouais, le... Bah oui. Et ouais, Les mortalités l'ult, enfin... qui sauvent temporairement les joueurs de la Soul, mais malheureusement pas assez longtemps. Hein. On n'a pas eu le temps de tomber cette Pharah en ult. Et en plus, le soldier qui se fait caillouillade, clairement, ah, il se fait troncher, comme on dit, au rugby. Et on voit tout de suite que le tank change côté Soul. On part clairement plus sur une Orisa qui va pouvoir plus gérer à distance. Le Sigma que Reinhardt. Parce que là du coup que le soldier s'exprime face à cette Pharah attention qui en prend le côté droit. Ah, Pharah qui continue de prendre des pics. Mais oui, bien joué, effectivement ce Macri qui prend double pic sur ses deux persos volants, le triple bien joué de la part du Macri. Ça sera fini, hein. Ouais, le fight est fini, hein. Bien joué en tout cas à la Hydra hein, qui fait comme une bonne défense je trouve, hein, 1 minute 30, c'est pas dégueu. Okay. Hop là, et GG du coup, hein, effectivement, à la Soul pour ce cap, hein. 4 minutes de push, hein, on est large. Hein. On est large mais attention, on a encore en plus la Vizor, du Soldier, C'est l'ulte comme du on dit. Hein. Baptiste. Hein. Là, ça veut rien dire, ils se sont fait tenir quand même assez longtemps sur le premier point. Ah, c'est pour ça. On a vu la semaine dernière que justement tout pouvait changer sur ce château. C'était passé vraiment court la Ah, semaine poil de dernière. fion, hein, on peut se le dire, hein, clairement, c'était très short. Ok. Ah, ils sont vraiment. Et là, on fait pas. Ah, ok, on fait quand même ce choix d'aller contest. Hein. Je me suis posé la question s'ils allaient se déplacer. Et là on y va, Lucky, hein, Liro, avec cette petite, ce spell là de, comment il s'appelle le spell, la boule, le nom exact, sur ce jour. Ah, bon, on va appeler ça
La sphère, hein. Voilà, la sphère qu'elle pose, effectivement, ça permet vraiment un bon contrôle. Et sur une ligne droite comme ça, ouais, tu m'étonnes, elle va se régaler. Et l'ult. L'ult de Genji, la blade, qui a lâché en hauteur pour V1. Lucky. Aïe aïe. Et on prend sa première pique. Pique qui fait mal. Oh, attention, là, ce genre derrière. Le tir disruptif. T'as regardé. Oui, je suis allé chercher sur internet. Travail de journaliste. Hein. Et c'est important de bien informer. Elle va essayer de mourir sur le point. Sinon, on peut également appeler ça la bouboule. Voilà. Ouais, effectivement. Ou le bzbzit. On peut lui donner plein de noms. Hein. On peut lui donner. Ce tube de fébraise. Je sais pas. On a pris la hauteur, hein, effectivement. En défense, côté Hydra. Tu vas tabasser le soldier. Le caillou qui est mis. Et ça qui vient aider son soldier. Hein. Elle a forcé l'ult Sigma. Est-ce qu'on va réussir à tomber un Sigma en l'air, sur Visor? Bien sûr. Bien sûr que Magica y arrivera. C'est très bien joué, hein, vraiment, de la part de l'Orisa, de forcer l'ult Sigma, justement, parce que sinon il est tombé par terre, et derrière sa follow, ah, que dire de plus, hein, c'est bien joué, hein, tout simplement. Hein. On voit une attaque bien différente de celle qu'on avait la semaine dernière, hein, sur cette map. La semaine dernière, on avait vu vraiment une défense qui était passée un poil de fion, hein, comme on disait tout à l'heure. Là, aujourd'hui, c'est pas du tout pareil. Hein. Ah, la grue qui prend déjà un premier pic, la purple Kelly. Des buffs de la part de Apogée. Ouais, mais compliqué, hein, parce qu'avec cette immo, faut tomber. Apogée, ouais. Joueur console également, hein, on rappelle. Hein. Effectivement, et on remet une purple, mais bon. Ah non, joueur PC, pardon, excusez-moi. Ok, ça. On va commencer à agresser. Ouais, on va tout de suite revenir, hein, le Lucio là. Ok, là, ouais, mais Lucky, bah, c'est ça. Moi, je considère ça comme du grid. Effectivement. Il est cherché un peu trop loin, oui, côté risque. Et là, derrière, on va clean, hein, tout simplement. On prend le. On prend sans difficulté côté soul, hein, franchement. Ok. On va se replacer, on attend. On n'est que 4. On est allé assez loin pour essayer de récupérer ce point de choc qui est ce corner de la fin de map. Après, est-ce que le convoi va arriver assez vite? Normalement, ça devrait aller. On va pouvoir tenir ce corner. Oula, oh attention, l'ulti Baptiste. Bien joué. L'ulti Baptiste lâché côté disque qui va mettre en péril la défense, l'attaque de la Soul. Ah là, ce jaune qui a pris un gros pic sur le Baptiste, hein. Vraiment j'étais sur sa POV en plus à ce moment là. Très très solide. Hein. Et là on est en réception, on va mettre l'ult. Encore une belle debuff de la part d'Apogée. Hein. Comme on disait la semaine dernière, on y pense jamais assez à regarder les healers, mais là pour le coup, y a pas à dire, Apogée lance des belles debuffs. C'est clair, il permet vraiment une pression constante en plus. Et René Black qui switch en Lucio pour toucher plus vite et pour pouvoir contest un peu, mais qui se fait instantanément des pop par la Orisa. Ah, c'est fait annuler. Hein. Et là, on a mis la nano avec Macri pour empêcher de toucher. Hein, ça ne fait pas peur la seule journée au Lucio. Ah, c'est dommage, le Macri qui va descendre de cette hauteur. Alors après, bon, ils vont le prendre, je pense, mais. Ouais. Et là, il y a une Moira. Elle nous embête, cette Moira. Et de nouveau, la Orisa qui met son ult. Attention, on va peut-être perdre le Macri sur ce mouvement, hein, effectivement. Ouais. On a une nouvelle belle debuff de la part d'Apogée qui va permettre de tomber la Orisa. Attention, c'est la Mei. Hein. La Mei qui peut temporiser énormément. Et là, ouf. La Mei finit par l'ange. Oh, l'ange, ouais, l'ange. Mais l'ange qui DPS, Erendril. Ah, elle avait marre. Elle avait marre, elle a pris son petit gun, elle dit c'est bon, bref. J'en ai marre de voir tout le temps à chaque fois de nouveaux mecs. Chut. Ça dégage.
Non, c'est Et très Red solide, Dill, hein. qui est censé être à la base tank et DPS dans cette team, mais qui joue ce soir heal. On a Effectivement. un petit switch de rôle, on n'a pas plus d'infos quant au pourquoi, mais on a le comment, hein. On a Sakna qui est arrivé en grand conquérant. Et Rendil qui passe donc en heal. Ready for battle. Bah écoute, effectivement, là, on tente des choses. Effectivement, on va pas se mentir, pour l'instant, les matchs sont pas trop contestes. Franchement, je pense qu'il faut mettre les mots. C'est difficile, bah justement, la première map là. Il y avait un peu, on sentait un peu une différence, et là d'un coup on renverse la pression. J'ai l'impression de revoir un peu cette problématique de map sur lesquelles on est vachement à l'aise. Ou dans le sens où bah, justement les équipes sont fortes sur leur map à l'aise, et puis la map qui leur fait défaut, bah on la ressent direct quoi. En effet, c'est sur les maps en fonction de leur compo. On voit la Soul qui part sur un Junkrat Soldier. Alors qu'en face, on a une Pharah Mercy encore qui va peut-être embêter nos heals. Mais pas trop longtemps, on a quand même Soldier qui défend cette backlane. Hein. Soldier a un gros taf, hein. Il a une grande responsabilité ici. Et malheureusement, ça va être très compliqué d'équiper le contact avec sa Mercy, c'est fini. Hein. Oh, il s'est fait gifler! Ah non, vraiment, la Mercy, c'est manger une roquette. En direct en plus. Enfin, en direct shot. Ah oui, le je crois Widow, hein. Eh ouais, la Widow, hein. Eh, on en a marre, hein, de cette Pharah côté Soul. Ah, Sakna là, il. Il en avait marre. Il dit vas-y mon soldier, il fait passer le café, c'est bon. Je vais sortir l'arme lourde. Ouais, finalement, quand sur la mort, il y a Widow. Un petit peu quand même côté. J'ai envie de voir un peu Pharah comment elle se débrouillait dans cette situation. Utilise vraiment le. Elle va jouer plus avec la protection que lui offrent les bâtiments. On a des bâtiments assez hauts sur cette map qui vont permettre à la Pharah d'évoluer sans forcément être. À la portée de la Widow. Eh ouais, mais on a trop avancé. Pour le soldier, ça va être. Pour le soldier, ça va être un peu plus compliqué de l'éviter. Oula, on a pris le duel côté Soljourn. Effectivement, mais le problème, c'est la Widow en fait. La Widow, j'invite à regarder, hein, elle fait extrêmement mal. Hein. Ah, bah, vraiment, une Widow maîtrisée, ça fait toujours mal. Hein. C'était qui tu m'avais dit les manettes? Niveau manette, on a Sakna, donc notre Widow. On a okay. Supreme qui est le deuxième. Non, qui est le tank. Et nous avons Magicka aussi en joueur console. Le deuxième DPS. On a deux DPS console, hein, ça peut être un peu plus compliqué pour eux. On connaît la difficulté des joueurs manette sur PC. Mais après. Bah c'est écoute, un choix, de ce que je vois, ils ont l'air de se débrouiller hein, quand même. Hein. Ah, Sakna, franchement. Oula! Le presque pick sur Genji, heureusement qu'il avait sa deflect. Oh, le headshot déjà! Oh là là! Ah, on voit que le soldier a un sacré, sacré aim assist hein, sur. Sur console, là, vraiment, on va voir l'avantage de la console. Vraiment ou pas? J'étais pas sur la cam de Soldier, hein. C'était vraiment. Alors, on est à la limite de l'aimbot là. Ok. Je laisse tomber, les mêmes problématiques que sur Paladin, si sur des massistes là. En vrai fou. Ok. En tout cas, Soldier, ils ont repris l'auteur. Hein. Oh là là, il s'est fait annihiler là, Tresseur. Et sûr qu'il s'est fait, double shot par les deux DPS d'en face. Et on voit une défense. On voit une deuxième map unilatérale, un peu comme le début de la semaine dernière. Hein. On avait vu une défense voilà, qui ne bougeait pas et puis c'était passé sur un C9 au final. En C9 non prévu. Rien. On voit une belle tête sur la Tracer. Hein.
un bel hit claqué par Supreme. Et Supreme qui prend un deuxième, hein. Ah, c'est Supreme qui continue dans sa foulée, hein. On va pouvoir. Alors, il va peut-être me chercher le Lucio, hein. Ah, peut-être, peut-être, hein, mais le Lucio est pris par la Widow, hein. Ouais, mais... Attention, on est spotted côté risque. On va peut-être éviter de sortir. Il nous reste 2 minutes 30, on va avoir le temps de se regrouper, d'attendre la fin de cette chute Widow. Bah, je sais quoi, j'ai posé comme question, ça, c'est... franchement. Voilà. Fin de lutte Widow, on va peut-être pouvoir rebouger côté disque. Tout le monde a respawn, ouais, on a eu le temps. Ah bah, Widow, encore une fois. Widow, hein. Widow qui prend des dégâts sur le singe afin de recharger son ult assez rapidement. Ah, on reprend les positions initiales, hein, toujours, hein, voilà, on est sur cette, cette hauteur. Très paquet. Comment on va faire? Mais vraiment, on prend son temps. Hein. C'est vrai que c'est important d'y aller vraiment à 5 et d'être synchronisé. Ouais, mais attention, ça va dive sur le top. Ah, c'est dommage. Il y avait le soldier qui était côte. Enfin, qui était juste côte à côte et. La Blade qui est mis. Bien joué, le premier. Ouais. Ah, et ouais, voilà. Il s'enfuit. Hein, très... Bah oui, hein. Ange à Blade. Oui, mais attention, on est déjà à 3 ults claqués côté disque. Ça, en fait, peut prendre un... ça peut prendre un reverse fight. Ah non, il... Il y a un micro délai, mais ça sera largement suffisant pour la disque pour retourner jusqu'à la fin du deuxième point. Ah oui, il est 13, on va même Réa. On va prendre la décision de Réa la Orisa. Si on veut gagner du temps, on va pas se mentir. Hein. C'est surtout ça. Alors. Ok. On a ah, c'est clair qu'on a, côté on a clairement changé. Hein. La Ramattra, hein, perso, je sais pas ce que ça donne avec le. Qu'il a été patch ou pas, je sais pas, mais. Alors, il a été patch au niveau de son ult n'est plus infini tant qu'il y a quelqu'un dedans. Il dure grand maximum 20 secondes désormais. Il fait toujours autant de dégâts. Par contre, il fait toujours autant de dégâts. Hein, Et tanky voilà. Aussi, parce que c'est sa tankiness, hein, vraiment. On a toujours un ult aussi puissant, hein, c'est juste qu'il dure moins longtemps. Et il s'y fait purple et au tue vite instant. Bien, bah voilà, on est. Je vends les mérites de Ramattra et il se fait éclater le cul. Sauf que. Sur une purple leaf, hein, sur. Ouais, sur la purple qui est bien lancée. Hein. Purple lancé et c'est follow. Apogée qui est dans son match, hein, pour l'instant. Il prend bien ses positions, il bouge pas. Il utilise ses purple quand il faut, il les place bien. Quand on le voit, c'est rarement pour faire des bêtises. Hein. Là, on voit encore une purple. On a pris une Kiriko en face, hein, pour counter ses purples. Après, les purples arrivent plus vite que les Suzu. Donc il y a des fois où ça va pas être possible. Bon, mais l'ult en plus de Mei. On va essayer de follow. Hein. L'ult de Mei qui va être compliqué à gérer, hein, également. Ouais, bah c'était bien protégé par l'angle un peu quand même. Hein. Compliqué, pas impossible là. L'ult, effectivement, Kiriko qui est lâché. Et on va prendre un triple. Attention, il va falloir temps pour côté Soul pour remporter ce point. Ça va être un peu trop tard. Est-ce que Faucheur va réussir à toucher? Oui, il va réussir. Ah, l'ulti de Ramattra qui va envoyer en l'air le Reaper. Ah, la boule, je sais pas comment elle va temporiser, est-ce qu'elle va réussir à... Ah, Tresseur. Ah, ça va réussir à toucher, il faut toucher pendant encore 20 secondes sans lâcher pour attraper hein. L'overtime. Ça peut le faire, eh, malheureusement. C'est un miss, c'est dommage. Eh, le moindre C9 coûtait malheureusement cet avantage. Ok. Attends, donc là c'est... merde, c'est les. C'est normalement la Soul qui va défendre de tête. Ah, mais là, c'est avantage. Attends, oui, ok, on prend aussi. Ok, ok, ok. Oui, l'overtime. Ok. Normalement, c'est l'équipe avec le moins de temps qui commence à défendre. Ou qui commence à attaquer. Normalement, c'est qui commence à défendre de tête. Et c'est qui commence à attaquer, bien évidemment. Sinon, ça aurait pas été drôle. Ah, tout pour te contredire. Ah, tout, tout, tout. Je suis sûr que Blizzard a changé les règles pour que je me trompe. Juste pour toi, imagine, 4 devs, un soir, un dimanche, à 20h. Effectivement. Let's go.
Alors, qu'est-ce qu'ils Bizarre, vont sortir comme qui veut compo? ma mort, hein, finalement. On Qu'est-ce que voit. tu peux nous dire sur cette compo qui nous sortent là? Et côté attaque? Et côté attaque, on va avoir un mix entre une poke et une poke. Non, je voyais un Genji, je me demandais si on n'avait pas essayé de dive un peu. Non, on va avoir la Nano Blade, on va avoir la Nano Visor si on veut, on va avoir le boost merci sur Soldier. On va avoir pas mal de heal pour la Orisa, ça va être assez sympa comme compo à jouer. La Orisa ne devrait normalement pas manquer trop de heal, donc tant que ses heals tombent pas, elle devrait pas tomber. On voit par contre de l'autre côté un Hanzo qui va poke pas mal, qui va pouvoir aller chercher justement ses heals. Tiens, La Sojourn c'est la première également. fois que je le vois là. La Ah, il rate ses... ses flèches. Là, on va surtout aller chercher à charger vite les ults côté Soul pour envoyer ses combos Nano Blade ou Nano Visor en fonction duquel on se charge en premier. Pour l'instant, ça va être Nano Orisa plus, hein, peut-être à voir de comment se charge l'ult Soldier. Le Soldier qui se charge plutôt vite du coup maintenant Arrivé le soldat. que Genji est mort. On a du mal hein, côté Enzo, hein. Je suis un peu sur sa POV là, il rate beaucoup de Oh flèches. là, sur La Orisa. bonne purple. Hein. Orisa qui tombe sur une purple encore une fois. Hein. De l'autre côté aussi, on avait pas mal de heal pour la Orisa, on avait un Baptiste et une Mercy. Ça pouvait être compliqué de la toucher. Là, on voit encore une belle nade qui va pour cette fois sauver ses alliés au lieu de faire tomber les ennemis. On voit Orisa qui déballe ses cadeaux, qui a un petit chien pour Noël. Nous avons Ok. du côté de la Lisk aucun changement. On va jouer sur ces ults chargés. On va pas changer, Genji qui pop de on va pas loin. jouer sur le changement de compo. Ouais, on va essayer de charger la Nano Blade encore une fois côté Genji. On va voir de toute façon si le nano n'est pas chargé n'est pas sorti tout de suite. Ah bah Mais là il s'est fait. il est sorti sur le soldier. Hein. On va faire une Nano Visor qui malheureusement ne va pas faire la diff. Ah, On va il s'est réussir à coincé par prendre. la rue ça et ouais. On va réussir à prendre aucun pick, on va pas réussir à toucher. On a été quand même assez loin côté Soul pour 1 minute de jeu. On a pris le premier point, on a avancé derrière la porte, on a réussi à prendre pas mal de terrain. Maintenant, il va falloir tenir pendant 1 minute 20, 1 minute 19 pour être précis. Il va Ça falloir marche bien ça, tenir le non? premier point. Bon, il va falloir tenir le premier point, par contre, hein, si on passe le premier point, ça va être compliqué à rattraper. Ça, je m'étais mis sur la cam de la Orisa 2 secondes et c'est vrai que j'ai ressenti dans le gameplay, c'était manette, tu vois, genre dans les coups, dans la manière dont il vise et tout, genre c'est vrai que tu remarques à l'œil quoi, vraiment. C'est vrai que ça peut être assez sympa à regarder. C'est juste différent. Oh bah c'est sûr. Après. Je veux dire, tant que c'est équilibré, mais bon, ça, bon, j'attends de voir. Et il met sa tourelle derrière, ah oui, il met sa tourelle derrière, quoi. C'est un troll ou... Pourquoi il mettrait cette... C'est une bonne position de toile hein, également. Ah, il peut mettre à la... Attends. Ouais, Après, mais... il peut la reposer, il peut la reposer, il peut la reposer. Après, il la laisse peut-être ici pour les flancs. En effet, On peut avoir la call, ok, je pense mais... pas, qu'il va la laisser, mais je pense pas qu'il va la laisser là. Il va peut-être la reposer dans ce corner là, derrière la tour. Voilà, c'est exactement ça. Il la repose derrière la tour pour qu'elle soit un minimum protégée, qu'elle vienne chercher les flancs s'il y a une Pharah Mercy qui vient Ok. essayer d'aller toucher le point instantanément. Oh, la On va voir. agressivité, là, tout de suite, on prend là tout de suite la vitesse. Ah, la Nullisk ne laisse aucune chance à la défense. Hein. Ils vont vraiment foncer dans le tas là. Et là, la Mei. Ah, la Orisa qui tombe. On a une Mei qui va essayer de Prends un temporiser. peu. Et... Elle wall off. Ah, on aura Ah, passé, c'est on s'en dommage. prend bien dessus, hein. C'est dommage. Ouais. Et c'est malheureusement un fight perdu pour la Nullisk. Il va nous rester un fight par contre. Il va falloir faire attention à ça. 40 secondes, ils vont essayer de toucher quand même. Ça va être chaud, mais ils vont le faire. Moins, ils peuvent tenter le phare. Vraiment là, je pense qu'il serait entre guillemets. On a un Lucio, on a un speed boost. Ça devrait aller. Ce serait une bonne idée de tenter le Pharah, mais effectivement, on peut retenter cette off. Est-ce qu'ils refont de la même manière? Il va bump, ok. Le wall. Top Jaune qui est derrière.
plus chercher à couper les lignes de la tourelle hein, sur ce fight. On a perdu un petit tombe en break. Et ça va être un fight mitigé pour l'instant. Ah, on a l'Ul Soldier qui va faire la diff. L'Ul Soldier qui fait la diff. Voilà. Malheureusement pour la New Lisk. On a Baptiste qui respawn. Quoi? Le Reaper? Le Reaper? C'est le moment? Mais en plus, ils veulent son nul! Oh là là! L'Hero qui sauve le pote, hein, clairement! Clairement, l'Hero qui met encore, qui permet de sauver un peu la tête dans le haut. Mais vraiment, l'Hero qui sauve son fight et qui va sûrement, peut-être, sauver sa map. On va voir si la Soul arrive à revenir assez vite. Ils ont pris Lucio pour faire revenir plus vite leur Baptiste. Pour l'instant, ils ont pas de heal. Il va falloir arriver vite. Les dégâts, c'est ils sont arrivés. Ils vont avoir un last fight. Ils vont avoir quelques jutes. On a un ult miroir des deux Baptistes pour le moment. Il y a déjà une moins 1. Oh, attends, c'est combien d'Orisa? Non, on a juste Orisa qui essaie de faire live le point aux adversaires. Ah, qui arrive le pic sur Lucio, hein. Qui y arrive, hein. Et qui y arrive, hein. Elle y arrive à faire live le point. Et c'est une map remportée par la Soul Academy. Voilà. Et c'était une très belle map. Je sais pas ce que tu en penses, mon cher Alarme. On a vécu plein d'émotions, finalement, dans cette map. Le fameux. Ouais, la fin, effectivement. La fin a amené des émotions. C'est vrai qu'au début, bon. C'était. À sens unique, un peu. Puis après, effectivement, ils ont fait une grosse défense, hein, quand même. Hein, sur cette deuxième partie de map. Je sais plus, je vais pas te mentir, je reconnais pas les. Enfin, je sais plus c'est qui défendait deuxième fois. Mais à la fin, effectivement, moi j'ai cru. Franchement, j'ai cru à cette remontée de la Hydra. Mais bon, bah écoute, hein, ils ont Soul qui a été meilleur effectivement sur cette map. Hein. On va voir ce que ça va donner sur cette troisième, hein, du coup, cette troisième map. Écoute, moi je propose qu'on se repose un petit peu. Pendant ce temps de pause, finalement, sur ce match, on arrive déjà à la fin de la deuxième map. Hein. On va faire une petite pause et on se retrouve d'ici 3-4 minutes. Effectivement, à tout à l'heure, les gens. À de suite. Hey, man. Hey, what's up? This may sound weird, but I think you should focus more on the positive side of life. What do you mean? I mean, you're not happy with your life right now. Wait, how could you tell, man? You don't know me. I don't know you. Yeah, but I can see souls. Oh, right, okay. You can't see souls. I mean, you're probably the kind of guy talking to himself, no? Let's say it's true. What do they look like? Like flames? Okay, what do they do? You know when you look at Vatana, keep doing the same thing. Yeah? Yeah. Hey. They keep on burning, keep on burning, keep on burning all day long. I be getting no sleep. It's like a nightmare. Everything around me be shining like a light flare. Everybody going on the same road as the right there. What you gonna do in your life before the white hair? Tell me what you're doing in your life right now. Did you write out every single reason you've been down when the light's out? I know you got trouble in your life, that's for sure. No, but did you really live it like you wanted all the zeros now? I see your lights, so they fade away. I'll see you in the night. When you stay awake, I see your mind. So they sail away, trying to move when your thoughts just a glass of lake. Light the fire. Light the fire. Light the fire. Light the fire. Hey, hey. How you wanna beat a flame if you don't burn? How you wanna beat the game if you don't learn? You know the only thing you claim is what you don't earn. If you wanna leave the brain, leave the concern. And your heart keeps on beating like the tongue, keeps on buzzing in your mind, keeps on thinking in the flames. They keep on burning, keep on burning, keep on burning all day long. Keep on burning, keep on burning, keep on burning, burning down. They keep on burning, keep on burning, keep on burning all day long. Keep on burning, keep on burning. When you consume yourself, you gotta come to an end. You gotta come to an end. When you consume yourself, you gotta come to an end, yeah. Hey.
Hey, hey, feeling like dangerous power. You got yourself climbing up some of the stiffest towers. More than once, with your love and superstition flaws. You got the right to live like that. But every shitty moment in life, say I track that shit. The fact that you're alive, make you goddamn rich. If you don't wanna drive, go and grab that bitch. If you don't wanna strive, go and fat back quick. If you open your eyes, you will find that trick. I get you out of trouble when you're lost. See, your life never cost anything. Cause it's everything you've got, then you're not supposed to live like the frost. But be hot like a flame on a torch that keeps on burning. And every day you're living, you'll be causing all the flames, staring at you while it keeps on burning. And every way you are taking, will be lighting up your way till you're lighting up the world. Oh man, I didn't expect this. And you're saying way too much way, by the way. Yeah, I know. I just remember one thing. They keep on burning, keep on burning, keep on burning on their own. Keep on burning, keep on burning, keep on burning, burning down. Keep on burning, keep on burning. Et re à tous, re à l'arme. Comment s'est passée cette petite pause pour toi? Bah, écoute, j'ai pas bougé, mec. Hein. Je vais pas te mentir, c'est rien de passé transcendant, hein. Vraiment. Mais et écoute, toi, moi, du coup? Moi non plus. Pas grand chose de très transcendant, voilà. On est prêt à reprendre ce match. On va pouvoir enfin voir peut-être quelque chose de très serré. Pour l'instant, on a vu une map maîtrisée plus par une équipe que l'autre. On a vu un Lilo qui était très très à l'aise sur cette fin de map, mais malheureusement, ça n'a pas suffi. Voilà. On va pouvoir voir. Il nous a fait effectivement une action enfin c'est remarquable, hein. Mais moi, j'en tiendrais plutôt la perf côté Soul, hein, vraiment, notamment. Quand Sakna est passé sur sa Widow, enfin genre il a décollé des têtes. Sakna qui était solide sur ses positions, hein, solide sur ses appuis. Exactement, bon. Tu vois. Donc voilà. Bah écoute, c'est bien parce que ça remet la balle au match, ça remet la balle au milieu. Chacune des deux équipes visiblement, voilà, on restart les counters et c'est bien. On va voir si du coup, j'aimerais bien avoir plus de comment on peut appeler ça, d'adversité, tu vois, même si bon, en vrai, Overwatch n'a même, enfin c'est pas trop la philosophie de, en tout cas dans l'escrime côté Overwatch, hein, c'est plus des teamfights expéditifs, même si première map c'est vrai que bah ils ont c'était Hydra côté première map, effectivement Hydra qui arrive à tenir quand même longtemps sur les teamfights, mais ouais, on pourrait avoir un peu plus de d'adversité, ça pourrait être sympa. Avoir une troisième map, donc Esperanza, on va pouvoir espérer des compos un peu différentes dessus, on sait pas trop. Esperanza, et on va pouvoir voir ce départagement de non, ça se dit pas ce départagement, non, on va pouvoir et oh, attends, mais c'est déjà lancé, oula. Qu'est-ce qui s'est passé? On a eu un bug. J'ai vu une boule traverser la map. J'ai pas compris. C'est un mauvais souvenir. Oublie-le. Ce n'est qu'un vilain cauchemar. Non, je sais pas, c'était un bug, j'avoue. Mais à partout, balle au centre, finalement, pour ce début de map. On a vu une Hydra assez à l'aise sur Oasis. Ensuite, on a vu une Soul qui était plus à l'aise sur Eichenwald. Est-ce qu'on va avoir deux teams assez intéressantes
sur ce match, avec un niveau à peu près équivalent pour avoir des teamfights un peu plus longs et un peu moins expéditifs. On sait pas. C'est une bonne question en tout cas, au niveau des compos. Bah rien de bien transcendant, c'est tout, on va souvent les mêmes picks. Hein. On a toujours du Reaper, Lucio, Orisa côté tank hein, bien sûr. Sojourn. Macri. Ouais, y a pas de. Ouais, pas d'extravagance. Hein. Après voilà, on est là pour faire ça. Ok, donc effectivement, on suit un match en parallèle qui a été fini. Effectivement, Square Tango et Mystère et Rio. Mystère. Bref, l'équipe Mystère, effectivement, est 3-0. Ok, Mystère. Non, j'ai pas entendu. Mystery Heroes. Voilà, ok, Mystery Heroes. Effectivement. Nous avons la Mystery Heroes qui donc s'incline face à Square 3-0. Oh, c'est une bonne idée ça, effectivement, le Reaper qui a TP effectivement sur ce petit balcon côté gauche. Et justement, là, ça a permis après à la Kiriko de prendre le positionnement. Le Reaper et qui ouais, revient hein, à ce top. Hein. Ok, on revient, hein, puis on prend un premier pick. On va voir le choix. Hein. On va voir deux choix différents sur les compos de heal. On va voir que Apogée lâche sa Ana pour un Baptiste, par exemple. Ouais. On aura donc plus la plus-value de debuff de ce côté-là. Mais par contre, on voit du coup un inversement sur ce côté-là. On va avoir du coup plus Ana du côté de la Lisk. Et Kiriko. Et Kiriko du côté de la Soul pour counter ses debuffs. On a vu quasiment un inversement des heals. Un truc que je remarque, c'est vraiment ils n'ont pas de grid. Enfin bon, à part visiblement. La map sur Ashenval, mais là vraiment sur papier où ils font un pic et ils vont pas chercher plus loin, ils vont pas chercher à avoir plus forcément. Et c'est assez étonnant. C'est une bonne fin, je sais pas si finalement c'est bien, hein, c'est très. Quelle ulkémie ouais. Bien joué hein, sur le Lucio. Et Orisa qui continue hein, d'agresser. Hein. Le problème c'est que Sagna s'est fait punir. Ok, donc on va effectivement continuer de pusher le payload. Hein, Une fois, hein, côté Soul. Ah oui, oui. Effectivement. On va pouvoir respawn un peu plus vite, notamment pour Sakna, qui a eu le spawn rapide, qui va pouvoir revenir pour ce fight. Hiro qui tente le clutch, hein, encore une fois. Oh. Ça, son surnom à la fin du match. Le héros d'une map. Non, mais ouais, bah, après une lucky, hein, mais. Bon, bah. Soul hein, qui. Et c'est marrant parce que c'est exactement le même déroulé qu'on a eu. Alors, pas aussi violent, parce que là, on va quand même dépasser les 80 mètres, mais. Que la game de la dernière fois, hein, sur la même map. Hein, on avait eu un 75-0 si je dis pas de bêtises, quelque chose comme ça sur la même map exactement. C'était ça. Et on avait eu un retournement total de situation à la fin. Pour l'équipe qui prenait le 75-0. Et là, est-ce qu'on se dirige pas vers ça pour l'instant? on a un clutch côté Lisk sur ce fight. Ah bah là. Seulement un ult d'utiliser. Mais un ult qui fait la diff. Hein. Un ult Reaper à 3 kills. Mm. Exactement, bah c'est finalement pas besoin. Mmh. Attention à pas prendre le même en retour, on voit un Reaper qui se cache. Une Orisa qui lui monte dessus. Ok, ils jouent bien sur leur hauteur. Et on va essayer de reprendre de l'espace, on est vachement... C'est vachement coupé. Attention au Reaper qui passe dans le bac, hein, qui va peut-être essayer de lâcher un ult clutch. Exact. Ah, qui va arriver, s'il arrive dans le tas, il lâche son ult et c'est fini. Hein. Attention, et voilà, c'est exactement. Hein. Heureusement qu'il y a le beat. Hein. Mmh. Heureusement qu'on a le beat pour sauver côté. Malgré ce beat, hein, encore une fois, la Soul hein, qui prend ses pics et qui va. Ouais, ça va rush. Hein. Ce qu'ils veulent all-in, j'en ai marre. C'est en mode comme ça. Je ne sais pas, mais.
Kafka, ça joue bien. Ouais, on a pris ce Lucio. Ok. La veille. Oh. Et le double triple pic. Avec le double de Anna. Sur la Kiriko et le Macri. Ouais, bah, son sein là. Voilà, encore une fois, un fight expéditif. À base d'ult. Et de gros dégâts. Et un team kill, hein. Premier de ce match. Hein. Effectivement. Ah, attention, est-ce que la suprême. Est-ce que la soul a réussi à respawn en entièreté? Oui. Sur le rapid spawn. Oh, le Murmeil qui va mettre mal la Orisa, mais on a Kiriko qui est là pour counter ça sans souci. Ouh là 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 là, le Junkrat qui fait très très mal, très 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 mal. Junkrat qui va vraiment mettre à mal la Lisk hein, sur ce point. C'est terrible, les fights là c'est expéditif. T'arrives, tu te fais casser la gueule, tu reviens. Tu spawns, ouais. Tu repars et... On joue ping-pong là sur ce match. Exactement. Ça, attention parce que la Lisk arrive à aller de plus en plus loin. Au fur et à mesure. Lucio, hein. Bah, le truc c'est que t'as Lucio qui amène beaucoup de vitesse donc effectivement t'es gagnant. Hein. Le Wulkimi, la Purple, mais bon, enlevé, puis on met quand même le. Big qui va chercher avec son anneau la backlane adverse. Exactement. Qui arrive à prendre le Junkrat. L'ult Macri, mais bon, il y a le wall. La Mei qui se fait trap post-mortem par le Junkrat. Le tir disruptif mis au top pour counter l'avancée de la soul. Là on est tu saurais à peu près situer le Halo dans lequel on est. Alors je ne saurais pas le situer moi personnellement actuellement. Il me semble qu'à l'époque où je jouais sur console avec Supreme Magica, ils étaient diamants. Ok. Actuellement je ne saurais dire. Ok. On va bientôt avoir l'information par notre journaliste. Ok. Donc côté Soul Academy, nous avons un elo moyen en ranked de Diamant 3, mais en elo de Scrim Master 5. Donc ils jouent un peu au-dessus de leur elo de ranked, c'est normal. Ok, donc ouais, on est à peu près sur des teams à peu près égales en termes de niveau. On a du diamant 5 de moyenne côté New Lisk, donc un peu plus bas, mais ils se défendent. Hein. Ça leur pose pas de problème hein, pour l'instant. Bah, franchement, j'ai envie de les scrim, je sais pas pourquoi. Genre. Alors, en tout cas, on met des patates. Hein. C'est vrai que ce Junkrat là, avec ce switch, nous a fait déjà une. Ah, bah y'a pas à dire, ça fait mal hein. Ouais. Est-ce qu'ils vont se refaire défoncer la soul? Encore un anneau Orisa. Attention suprême qui s'est fait debuff. Il est mort, ça ne peut manquer tomber. La Mei, à mettre ce wall, on va essayer de wall off, on va peut-être avoir le Junkrat. Non, les deux tanks qui sont tombés. Ah, oh, si. On a réussi à prendre le Junkrat et le Baptiste. On met à mal la soul hein. Anna qui tire sur ses ennemis autant que sur ses alliés. Mei. Gros taf de la Mei hein, vraiment. Et là on continue le délai hein. On continue. Ok. On va peut-être chercher plutôt à se regrouper, effectivement, une volonté de se regrouper côté Hydra. Attention, on a plus qu'une minute pour aller toucher et pour amener ce point jusqu'à un point. Ok. Dommage, Junkrat qui n'a pas vu effectivement le Lucio qui lui a couru dessus. Et du coup, on va pouvoir avancer le bon. Effectivement, Niro qui lui a mis son ult. Hein. Alors.
coup on va peut-être passer. Mais là, bon, il va falloir... Soit, je pense que là, si on gagne pas le teamfight, c'est mort. Hein. Clairement mort. Et on est que deux, donc va falloir... Faut la faire grouper, hein. Pour moi, là, on est trois, on a notre Ana au top. Il y a la Orisa qui arrive. On est plutôt bon, on va choper le fight sous le pont. On va garder la hauteur. Et ouais, mais on... Attention, le duel d'Orisa. On a beaucoup d'ult, hein. Ouh, l'ulti d'Orisa qui va faire très très mal. Ouais, et puis le Baptiste derrière qui va peut-être achever cette équipe. Ah, attention, on a toujours... On a toujours un Reaper solide, mais malheureusement qui tombe. Et on a un ultimate qui pour terminer ce fight. Le 1v5 de la part de malheureusement, Mig. C'est malheureusement lose pour la Lisk. Ouais, un Soul qui... Ouais, j'étais au-dessus. Hein, sur, bah après, c'est voilà le... En vrai, c'est marrant parce que c'est souvent le début de map qui définit un peu, genre... C'est-à-dire que j'ai l'impression de des matchs que je spec hein, depuis le début. Hein, souvent, tu vois un gros rush qui va se faire. Et bah. Après, l'équipe se réveille et essaie de faire mesure pousser. Et c'est ça, en fait, finalement, l'enjeu à la fin. C'est peut-être le problème avec ce mode de jeu. Donc, de robot, le mode de jeu push. C'est que une équipe qui va faire un gros push jusqu'au premier point de spawn peut ne potentiellement plus bouger de ce point de spawn jusqu'à la fin de la partie. Ça va être très compliqué à l'équipe adverse de revenir. C'est clair. Mais après, il n'était pas sur Overwatch 1, non, ce mode? Non, c'est un nouveau mode Overwatch 2. Ok. Voilà. Ouais, effectivement. Après, il est très contesté. Comme on disait la semaine dernière, certains joueurs veulent enlever ce mode de jeu pour repartir sur de la 2CP. D'autres veulent garder les deux, d'autres veulent garder uniquement celui-là. C'est un débat. C'est... Il est compliqué de satisfaire tout ce monde, hein. Enfin tout le monde, hein. Ça serait bien. Ah, il est impossible de satisfaire tout le monde de toute façon. Mais il est vrai que c'est un mode de jeu qui est différent de ce qu'on avait jusqu'à aujourd'hui sur Overwatch. Et c'est ce que Blizzard a voulu accomplir avec ce nouveau mode de jeu, évidemment. Effectivement. Redoubler le jeu. Nous nous retrouvons maintenant sur Observatoire de Gibraltar. Donc une map qui est un peu plus verticale. On va avoir beaucoup plus de tops, des tops plus ouverts. On va voir qu'est-ce qui va être joué sur cette map. Normalement des dives, voilà, c'est exactement ça. C'est vrai. Ça me fait rien parce que je me suis dit c'est risque, enfin ce que tu disais, tu vois. Je m'étais dit à défaut de faire un Overwatch 2, au moins ils mettent un nouveau mode de jeu, puis ah, c'est bien, perso. Hein. On est sur Overwatch 1.5 finalement, mais c'est pas grave. Non, c'est pas grave. C'est un autre débat. Ce n'est pas ce soir que nous allons. Ah, je suis d'accord, je me sens, il y a déjà eu assez d'encre coulée sur le sujet. Je pense que tout le monde a le même avis hein, sur ça. Ça. Il est difficile de dire qu'Overwatch 2 est vraiment un Overwatch 2. Mais bon. Ok, bah écoute, on est parti. Hein. Nous ne pouvons pas râler. Ok, donc en tout cas, bah ouais, tout de suite, hein, cette fatale là, qui n'a jamais des petits shots. Bon, on a une défense très reculée de la Nulisca. La Diva là qui perd la hauteur et du coup qui a un peu en retrait par rapport à son Genji, ouais. Un petit manque de synchro là. Et bon recul. Ouais, on essaie de jouer de façon à ce que la Widow ne puisse pas nous toucher. Hein. Ah bah ça revient, hey, tu regardes mais c'est un peu comme le match qu'on a vu la dernière fois. Hein. Encore une fois une Widow. Ok. C'est comme ça qu'on voit que plus on monte dans le Elo, moins ça va être la prise de décision qui va être importante, mais plus le skill. On va avoir des stratégies qui sont assez similaires. Oh, le debuff Genji. Genji qui va peut-être tomber et qui tombe. Ouais, Sakna qui s'est fait clear. Hein. En fait, il va même punir, j'en veux dire simplement. Hein. Il a tenté son move, c'était un peu grid. Le purple et ça passe. Même si on a réussi quand même à avancer, faut quand même le noter, hein, le payload est quand même bien avancé. Pas si mal. Ah, 2042 push, on a le temps. Bien reprendre les hauteurs. Et le
Avec Kiriko qui a poke cette Anna de loin, cette entrée. On va pas permettre à justement à son équipe de l'aider. C'est la Widow hein, bien va... pressionnée. C'est Widow qui va essayer hein, de prendre des piques. Qui va ça juste attendre que la Anna sorte sa petite tête. Voilà, pour la prendre, c'est exactement ce que je disais. Ah, la traceur cartonnée. Mais vraiment, j'ai du mal à trouver. Enfin, je trouve que le pic traceur là, avec deux pics Kiriko. Mais. C'est pas Widow. Évident, hein. Widow qui fait le taf, hein. Widow qui prend 3 kills sur le fight. Deux très belles têtes et un finish de kill sur Genji. J'ai envie de voir un peu sa POV. Hein. Ah, c'est, voilà. C'est très intéressant sur cette fun fight. S'il a un peu de sa vision, donc. Peut-être même le claquer, hein. Ouais, il va la claquer bien sûr. Attention, il va falloir faire descendre ce Winston pour pouvoir jouer. C'est tellement linéaire quand tu regardes le gameplay, c'est. Ah, c'est. Ah, c'est assez intéressant, moi je trouve. Ok. Donc, on rappelle, Magicka un joueur console. Hein. Ah, bah non, mais. Oh, le. Ça se voit tellement. Ok. Alors, on rappelle que aim assist ou pas, il faut quand même savoir viser pour pouvoir toucher. Hein. C'est un aim assist, pas bot, hein, que les joueurs console ont. Oula, attention, le Winston Nano qui arrive. Winston Nano qui te saute dessus, mon gars, tu cours. Hein. Ah, le bataille de Genji Blade. Et il prend le meilleur pour Ward. Et ouais, mais on a du mal à. Qui se fait count... qui se fait back par Widow. Oula, attention. Le Genji qui va dive cette Widow. Qui pose problème à son équipe. Et attention. Sur le point, il. C'est assez compliqué, hein, visiblement, de prendre l'avantage. Hein. C'est compliqué, en effet. Ouais. On a du côté défense, on a des positions assez sympathiques sur cette fin de deuxième point, qui peuvent être prises assez facilement. Malheureusement, pour le. Ouh, la. Ouais, la bonne bombe. Hein. Ça m'intrigue trop avec de voir le gameplay manette, je veux voir à quel point est-ce que ça peut être baisé genre. Est-ce que c'est vraiment Là qui prend un pic sur le Genji adverse. Ok. Là on va peut-être avoir la Brigitte qui était sur le point. Et le double de la part de cette le triple de la part de cette Widow. Light qui n'arrive pas à survivre en 2v1. Avec Sana malheureusement. C'est compliqué. Mig qui se suicide. Est-ce qu'il change de personnage en effet. Il prend Bulldozer. Est-ce qu'il va essayer d'aller semer la pagaille dans la backline adverse. Est-ce qu'il va aller chercher cette Widow qui embête le reste de son équipe. Ou est-ce qu'il va se faire embêter par cette Widow. Il va falloir reprendre effectivement ce pont. Parce que là... Hey, il essaie d'y aller sur la Widow. Hein. Mmh, ouais, mais il revient loin très vite. Hein. Mais il se fait dodo des buffs, c'est compliqué. Ouais, la matrice. Peut-être l'ult sur le tressé. Ah, le Reaper, mais ouais, mais il avait sa fade. Sa fade, enfin. Ouais, c'était ça, c'était sa fade. Hein. Ah, c'est compliqué hein, cette phase de push là. Je bien avec les murs hein, quand même, côté Diva. Le duel là. On va reprendre l'espace. Ouais, la Widow qui est tellement bien placée là. Si on la déloge pas, c'est fini. Hein. Vraiment. C'est... Il a littéralement une ruelle devant lui quoi. Faut aller voilà. Chercher cette Widow. Quitte à mourir, mais au moins c'était important, franchement, ce qui est là. Ça permettra un fight sans cover. Oh, le Reaper qui est bien positionné. Hein. Et la Blade qui est lâchée. Sur une Blade. Ouais, la Blade, malheureusement, le Genji qui se fait debuff. Pour sa blade. Oh là là, le nano Reaper qui fait très 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 mal à la boule. Hein. Effectivement.
effectivement, sur une fin de en plus d'ult. Tracer qui n'arrivera pas à toucher assez longtemps pour que Samei arrive, malheureusement. Lucky, hein, côté, le troisième point pris par la Soul. Et ben, moi qui disais qu'ils étaient pas forcément pour l'instant dans leur match. Eh, hey, ils y sont, hein. Ah bah là, effectivement. Mais je pense que c'est bien des fois de se manger un peu une claque au début, ça réveille, tu vois. Sans mauvais jeu de mots, bien sûr. Okay. Alors. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir peut-être un Reinhardt côté Soul. D'après les points de vie que je vois affichés à mon sur mon écran. Ready for battle. Merci la régie, très bonne blague. Ouais. Mais effectivement, là, on va se retrouver effectivement. Ah, il va ressortir sa Widow. Ouais, ça m'étonnerait pas. Hein. C'est vrai qu'il a fait tellement mal avec. Et j'ai peur que sur une compo dive, même si, enfin, si les mecs veulent vraiment t'avoir avec ta Widow. C'est peut-être compliqué quoi. Alors. On va voir leur positionnement, bah oui, logiquement, hein, c'est ça, hein, on va jouer en retrait. Il n'y en aura pas de Widow en face. On va faire c'est le choix de. Sur ce deuxième top, hein. Ah, Symmetra. Symmetra ouais. Sur cette map. Je sais pas ce que t'en penses, hein. En fait, ça peut être assez intéressant pour aller chercher justement ce deuxième top. Ah, le problème, c'est est-ce qu'on va réussir à se positionner avec cette Widow? Elle est agressive, hein. Elle a faim, le Magicka. Hein. Il a faim de fou, hein. Ok. On a pris la hauteur. Widow, ouais, elle met des petites balles, hein. Deuxième map où elle embête autant la team adverse, hein. Après, voilà, t'as une Tracer qui pousse le point tranquillement, mais. Ça veut dire que là, leur fight, ils sont en 4v5, hein. Et attention, côté suprême, il va falloir remarquer que le point avance, hein. Ah oui, hein. on a passé au fait 3-9, hein. Ils ont avancé de quasiment 3 quarts de. C9, je pense pas, quand même, ils sont invertis, mais effectivement, tu vois le. Tu vois, regarde, attention. Tracer, est-ce qu'il va rejouer sur le point? Ah, il va rejouer le point? Mais. C'est ça qu'il va retenter. Non, mais c'est quoi ce match? Liro, mais, Liro, hein, les gars. Liro, hein, encore. Ah! Liro ouais. Qui. Pour un duel contre Kiriko, il le prenait. Dès que Ana et Widow se sont retournés, il a vite déchanté. Hein. Et le Reaper qui arrive à s'en sortir, même pas, bah ouais, mais le problème c'est qu'il est tout seul à la fight en fait en face. Et le truc c'est qu'on est pas, bah ouais, c'est Tracer qui prend toute l'attention. Et on sait pas. Regardez. Elle seule, elle fait reculer 4 mecs. À elle seule. Et c'est parfait pour son équipe bah qui peut se positionner. Et qui peut avancer pour venir la sauver justement. Et là la diva qui va prendre l'aggro. Attention, c'était peut-être un peu dangereux de monter tout seul face à 4 ennemis. Ah bébé Diva, ça va sûrement pas, voilà, c'était logique, hein. Et Tracer qui s'en sort. Hein. Exactement. On est toujours... on est à la première mort. de il s'est fait cueillir, le petit Liro. Il s'est fait cueillir, comme un lapin. Alors... Ah, il l'a switch, ce Tracer. Hein. Il a vu que ça ne suffisait pas. Il prend Widow, il va essayer de prendre le duel. On va vite voir si sa Widow fait la diff. Et malheureusement, Reaper qui vient l'accueillir à l'atterrissage. En tout cas, j'espère que c'est pas que c'est que les massifs qui fait bouger le viseur, parce que vraiment, ça me fumerait de rire, hein, vraiment. Ah, alors, pour répondre à votre potentiel questionnement, il est extrêmement compliqué d'intégrer un aimbot sur console. Non, mais alors c'est pas dans ce sens-là, pas d'avoir un aimbot, mais juste la puissance de les massifs, quoi. On a eu ça sur Paladin, t'as pas d'effort, quoi, vraiment. Non, il est pas puissant sur Overwatch, l'aim assist. L'aim assist est très équilibré sur Overwatch, en effet. Je testerai un pour en faire une idée. Ok, en tout cas,
L'Hydra qui va pouvoir quand même capa. Mais en difficulté, hein. 3 minutes, on prend 2 minutes 30, hein, 40 peut-être de temps additionnel. Attention, Apogée qui va se faire dive par la diva adverse. Attention, hein, cette diva qui est gourmande, hein, je trouve que c'est pas évident. Oh, ok, on va reprendre la hauteur. Et Reaper qui vient cueillir cette diva qui a un peu trop peu sur les hits adverses. Bataille de diva. Il va peut-être choper la Kiriko. Ou attention, la vision, l'infra de Liro. Et là, la diva qui va chercher la dive. Ouais, mais t'es seul, mon pote. Attention, Liro qui est solide sur sa Widow. Liro qui est énervé. Ouh, Liro. Oh là là là. Liro qui va enchaîner un peu les kills. Qui est... Ouh là là, le Liro est en forme là. Ouais, ils ont tenté un all-in. Hein, On sent qu'il est énervé. On sent que ça lui a pas plu de se faire tuer quelques fois par la Widow adverse. Ouais, ils ont vraiment tenté le dive à fond là, côté Soul. Enfin, côté Sagna avec son Reaper, mais. Pas marché. Hein. Étonnamment, on a pris le temps côté Miga. Oh là 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 là, Magicka qui est encore tué par Liro. Liro qui va vraiment aller s'énerver contre cette équipe. Dival en 4v1. Ouais, bah c'était sûr. Le Genji qui est derrière, mais. Liro qui arrive à temporiser ce Genji. On pourra avancer. Hein. Est-ce qu'il va être agressif? Bien sûr, il va être agressif. Et là, tu vois, et ça, c'est une remarque, tu vois, et. J'avais, c'est que côté Soul, ouais, vraiment. Alors, on est un peu plus passif côté Soul, en effet, sur l'attaque. Attention, on voit que Liro est au courant que ce Genji est là. Il attend juste qu'il sorte sa tête pour commencer à le taper. Et voilà, ils attendaient juste que ce Genji sorte. Attention, Liro qui va attendre que Magicka sorte. Il a pris l'info, c'est bon. Il sait où il est. Il sait qu'il est dans le bâtiment en face de lui. Okay, oula, le jump shot qui est tenté, qui a failli mal finir face à la bombe de Diva. La bombe de Diva qui est lâchée, ouais, ça peut-être faire des moments. Ah non, même pas. Oh, on se sauve de rien. Bon, le Genji, il aurait pu crever là. Ok. Ah, dommage, la balle a arrêté. Ouais, la bataille du Tresseur, la bataille de Fatal entre Liro et effectivement Magicka. Ouh là là. Ouais, ouais. Oh, le Liro qui est solide sur sa Fatal. S'il a sa vision, là il peut enchaîner. Hein. Et on a switch vers Ball côté Lix. Comme en défense, on prend la Ball pour le dernier point. Le dernier point qui est un peu plus ouvert que les autres, avec un peu plus d'accroche. Elle. Oh, la blade qui était mise par Sakna, mais. Une blade dans le vent, quoi. Et Magicka qui a pris la hauteur. On a une infra côté Soul qui peut peut-être gêner l'avancée. Ah, attention. Maintenant, Liro a l'information, et voilà. Eh oui. Et voilà, dès qu'il a l'information, il y va. Et il prend ce kill. Ah, c'est pas Leroy Jenkins, hein, pour ceux qui ont la ref. Là, on est sur un vrai Leroy. Liro, pardon. Oh là là, le double. Et encore une fois, bah, tu vois, c'est quand t'as cette pause, mon gars, avec une tresseur. Oh là là, il est, mec. Oh là là. Et là, Liro l'a couché par terre. Faut le dire à un moment donné. Oh, Liro, il lui a pissé dessus, mon pote, hein, c'est un truc de fou. Hein. Oh là là. Oh là, elle a mangé un truc, mon gars, Sagna là. Ah, c'est. Ah, c'était violent, vraiment. Cette action, tu peux la mettre sur YouTube, mon gars. Hein. Ça va faire des vues. Ok. Ouais, la diva qui essaie de prendre le. Le plus, mais ça va prendre tellement de pression, ça va être compliqué, hein. Ah ouais, Supreme Soul qui va mourir. Ah, le pic sombra là, ça devient compliqué, hein.
Ok, la tresseur qui va tenter SP. Pfouah! Mais non, mon gars, il y a l'Hiro. Ah, mon gars. Dommage, mais. Il fallait pas énerver l'Hiro, hein, clairement. Ouais, c'est bien. On avait demandé de l'adversité, mais bah, on en a eu. Eh, hey, contre l'Hiro, il finit en KO, hein. Ah, les blagues de Daron. Ah, c'est leur slogan. C'est leur slogan. Ils ont des slogans, ah ouais, chaque joueur. Ah ouais, bah écoute, hein. Ah ouais. J'espère qu'il a pas 40 ans, Liron, parce que vraiment. C'est marrant. Pourquoi pas. Je fume. Hein. Les okay, pauvres. Okay. Ok, donc si, on a. Ils sont très bien, leur slogan. Ah, je dis pas l'inverse, hein, c'est. Petite blagonnée de carambar là, c'est. Sympa, hein, c'est. Ouais, t'es inspiré, hein, visiblement. Les pauvres. Alors. Je vais avoir plein de DM ce soir, je vais rigoler. Génial. Non. Alors. On rappelle que la production se soustrait à tout potentiel à toute potentielle mauvaise blague de la part de nos casteurs invités. C'est bon. Alors, la diva qui a déjà perdu son mecha. Et pff, c'est le changement, hein, tu sais, corps à corps Reaper. Comme on dit, cette femme a des couilles. Non, ouais, c'était. Non, mais vraiment, c'est. Comment il joue, Vix ? M'extermine, va. Il est en bébé diva, mais. C'est. Ouais, ok. Papy vient sûrement l'avoir, bien sûr, il a son mecha de retour. Et en plus, le Genji qui prend son pic. Et on recule tellement fort, on met tellement de pression. Parce que c'est psychologique plus. Ok. Ouais, tresseur qui met un coup, hein. Ah, c'est marrant ça, ce jeu de un coup tresseur, un coup Genji qui repart. Il n'y a plus de Widow, malheureusement. Il reste que le Reaper plein midin. Et là, elle est en fade. Là, son mec un peu derrière, mais. Voilà, l'Hiro qui prend un pic sur la Ana. Alors, peut-être là-bas, bien sûr, la DV là. Sûrement la diva également. Et ouais, ça va être un push, hein, bien sûr. Hein. Ah, après Hydra, t'as. Ils ont combien de temps initial l'Hydra ? Une minute, effectivement, une minute. Comparé à 2030, il va falloir être très efficace. Hein. Et pour l'instant, il le prouve. Hein. Un tout droit, sans trop conteste, on gagne nos fights. Ouais. Mig, il est tout énervé là, il tape partout. Ouais, c'est parce que je pense qu'il y a la Sombra et. Ah, il cherche cette Sombra. Hein. Ouais, effectivement, taper partout. C'est un choix, alors après, effectivement, on a. On retrouve la Sombra qui met son ult. Il y aura sûrement. Oh non. Le bon. En plus, il y a un anneau qui est fait sur le. Sur la diva adverse. Oh la bombe, la bombe, ah, la bombe. Va... Ah, ouais, mais la bombe. Hein. Ouh la bombe de très diva bonne qui bombe. Va faire mal, hein. Très bonne bombe. Effectivement, 2030, enfin, pour une minute, ils sont allés loin. Voilà. N'hésitez pas. J'accepte les DM et les mots d'insulte. Le castor. Ah, Duckfire, ouais. Je vais te répondre. Oui. Attends. Filer. Oui. Beaucoup. Alors. Voyons voir. En tout cas, ouais, c'est un bon push en 2 minutes 30. On va avoir un duel de diva. Moi, je me souviens de Supreme assez solide sur sa diva. Ouais, ok. Supreme sur sa diva, qui est la première personne que j'ai pu cast sur Overwatch. Ah ouais, c'était un des plus slash quoi, genre. Premier cast que j'ai fait, je me souviens de l'action. Supreme qui me lâche une bombe 4 kills sur Overwatch, hein. ça me met la larme à l'œil. Ah ouais, carrément. Non, c'est pas vrai.
Ah, un petit menteur, va. Petit coquin. Non, non, moi. Non, moi, je suis pas un sentimental comme ça. Je suis un bonhomme. Il y en a encore une fois, c'est fatal. Hein. Continuer de sortir. Alors. On met tellement vite la pression, ça aussi. Et bah. Et c'est où je vois pas trop l'intérêt, tu vois, finalement, le traceur ici. Enfin, là, juste derrière. Bah, t'es passif de ouf, quoi. Genre. Bah, après, c'est compliqué, mais c'est pour ça que je pense pas que ce soit forcément une bonne idée d'avoir ce petit traceur en early. Je sais pas. Mais. On peut voir qu'il faisait très mal avec sa Tracer. Hein. Ah, je suis d'accord, mais là. Là, par contre, il va falloir performer sur cette manche. Parce que si on perd, on a perdu le match côté Lisa. Le gros taf, hein, Mig là, avec son Genji. Et ils vont bien chercher justement cette fatale. Ça a bien joué ensemble. Là, c'est le Genji mid, enfin sur le point. Je pense pas qu'on va le prendre. Ah, Leroy qui va le choper, effectivement, ce Genji. Et là, ouais. Si on groupe, on est tranquille, on peut la défendre. Vraiment, tranquille ou pilou. Alors, on est avec Jean de la Fontaine là, c'est incroyable. On a un très beau browser dans le chat. Ouais. Je vais vous lire ça parce que c'est quand même très beau à la fin du fight. Alors, mais j'allais. Bah. Apporter l'idée d'Onier, hein, que je dis. Hein, genre, mérite. Ok. On a Darkfire, le fameux écrivain. Ah, effectivement. Il reste 40. Plus que 50 secondes. Attention, ça, il va falloir aller très loin pour remporter ce match. Étape, hein. Plus il est bien positionné avec son soldier. Hein. Attention, parce qu'il se fait chase là, 2v2. Attention la bombe. Ça monte 3v1. Ok. Le Gadget, il a bonne purple sur le soldier. Hiro qui sait peut-être que... le chase. Bien joué avec cette diva, hein, accompagné par cette diva. 2v2 qui se transforme en 3v2. Aïe, le Genji qui est pris. Unlucky et deux morts. Et pris aussi, et ça va être un loose fight. Attention, une monte clutch peut-être de la part de... Eh non, malheureusement. C'est encore gagnable côté disque. Ah, ils ont le temps, mais en tout cas, la prolongue est mise, quoi. C'est pas fini, il leur reste encore quelques mètres à faire avant de gagner. Mais c'est toujours winnable. On a un switch Winston d'ailleurs pour aller chercher ce soldier. Ok, Winston qui repart. Tracer qui repart. Oh, attention, Tracer. Tracer. Attention, un full ult de la place de Supreme, de la Soul, pardon. Ah, il faut juste une blade bien placée. Hein. Attention, blade bien placée, ça peut défendre. 5 ult et ça peut. Attention, le point, on a fait le choc. La blade qui est mise. Bataille de blade. Le Visor qui Soldier qui Visor. Ah, ça coûte tout pour blade. Eh oui, full blade, hein. Malheureusement, ça va être lose. Ah, quel dommage pour la Nulisk qui s'est défendu jusqu'au bout. Rempli de jalousie, la Soul Academy gagna. Et ce fut la fin. Bravo à eux. Aucune rime, hein, donc. Exactement. Hein, vraiment, moi, c'est. Aucun effort hein, de la part de l'alarme. Je caster, vraiment. Foutre. Aucun effort de la part de l'alarme. Qui, dans sa grande déception, n'y mit pas toute son âme. Eh, franchement. J'aurais pu faire elle. J'aurais pu faire elle, mais j'ai fait cuisine. Franchement. C'est pour faire des cannelloni, quoi, vraiment. Voilà, bravo. Non mais c'est un très beau match qu'on vient de voir. Alors qui voudrait venir effectivement là, parce qu'on va passer peut-être aux interviews du coup, qui voudra venir côté Hydra? Est-ce qu'on a... T'as des infos côté régie Ok, effectivement. Donc on n'a pas encore d'infos. Donc on a les résultats d'un autre match, la ES Lilith qui gagne 3-1 contre la... Je ne comprends pas ce que me dit la régie.
Donc contre la Dragon Scarvity, merci beaucoup la régie. Non. Donc on passe en interview tout de suite. Hello. Hey, bonsoir Mig. Comment vas-tu? Bah ça va et vous? Bah écoutez, nous ça va très bien. On a pu découvrir vos slogans dans la Nulisk. Ah, on est sorti les ultras là. Ah là, ah là, vos ultras sont venus dans le chat, vous ont défendu jusqu'au bout. Sur les 20 viewers que nous avons actuellement, je pense qu'on en a eu bien une bonne quinzaine qui étaient là à vous défendre dans le chat. Non, peut-être pas autant, mais on voyait que. En tout cas, on voyait que. Chat MVP. Hein. chat MVP. Même si, première question, que pensez-vous de votre performance dans ce match? Bah, je pense qu'on aurait pu mieux faire en vrai. Après, je pense qu'on peut toujours mieux faire. Être satisfait de soi-même, je pense que ce serait compliqué. Mais on peut toujours mieux faire. Après, c'est cool parce que ça nous donne des votes, des choses à exploiter par la suite avec notre coach. Donc, ça va être plutôt cool. Et je pense qu'on va. De toute façon, c'est fait pour ça aussi les tournois. C'est pour concrétiser ce qu'on met en scrim et par la suite, toujours plus s'améliorer et toujours viser plus haut. Quoi. Moi, j'avais une petite question. Alors, justement, premier match, vous gagnez en vrai. Sans trop de difficultés, vos fights étaient pas mal. Enfin, vous aviez l'ascendant, quoi, clairement. Yes. Vraiment, Et du coup, par rapport au deuxième match, est-ce que vous étiez surpris? Est-ce que c'était parce que vous avez loose, du coup, pareil, un peu à sens unique, un peu. Est-ce que c'était une map où vous étiez pas à l'aise? Qu'est-ce qui a fait non, que. Je pense que pour certains, on s'est peut-être un peu relâché en se disant ah, c'était facile, tout ça, machin. Okay. Et c'est ce qui nous a coûté la map, hein, je pense. Mais, plus de confiance. Ouais, je pense que c'est plutôt ça qui nous a coûté en vrai. C'est vrai que. Si, ouais, c'est Schoenwald, un deuxième map, hein, si je dis pas de bêtises. C'est ça, hein. Exact, ouais, tout à fait. Ouais, ouais avec Leroy qui nous. Non, attends, c'est. Liro Liro Liro. Pourquoi je dis Leroy Jenkins? Ça me fait penser à ça maintenant. Ouais, c'est Liro, effectivement, c'est qui nous fait un. Ultra, hein, c'est à cause de vos ultras hein, qui l'ont. Qui fait un. Moi, ouais, je vous dis franchement, hein, Liro, quand on lui dit d'enlever le maillot, on le tient plus après. Hein. Il est torse nu, alors là, c'est fini. Hein. On l'a vu, non mais qui a fait une belle perf, hein, vraiment, il a fait un bon move à la fin et qui vous sauve un peu le fight. Et ouais, bon après, et ok, du coup pour la suite, enfin et du coup vis-à-vis de après de la troisième du coup de cette map là, Gibraltar, vous étiez comment d'un point de vue de l'esprit? Est-ce que du coup ça vous a mis une grande claque et vous êtes dit vas-y on y va à fond? Ouais, après, on s'est dit, bah, il faut rien relâcher, les gars. On se fout le focus, on se concentre. C'est des choses, de toute façon, qu'on a travaillé. Et puis, voilà, let's go, hein, faire notre jeu. Et puis, si ça passe, ça passe. Si ça passe pas, bah, de toute façon, dans les deux cas, comme dit, hein, ça nous fait de l'expérience. Et en plus, ça nous permet de nous mettre dans dans quelque chose de cool. Et puis, par la suite, d'en discuter avec notre coach. Même entre nous, après, on va aller débrief, tout ça. Ça permet toujours d'avancer, ça qui est cool. Ok. Comme dit, hein, c'est pas parce qu'on perd un match qu'on perd la coupe, hein. Ah, mais t'as exactement raison. Il faut le voir comme ça. Vous avez réussi à prendre une map sans enlever un point d'endurance à l'équipe adverse. C'est assez intéressant. Qu'est-ce qu'on pourrait dire aussi Non, mais juste par rapport aussi, du coup, parce qu'on sait que comment dire, il y a eu le patch note la semaine dernière. Yes. Est-ce que ça a pas trop. Là pour l'instant, vous êtes plus en phase de test au niveau des méta ou vous savez déjà un peu ce qui va jouer et comment Non, en vrai, nous pour l'instant, je pense qu'on va rester un peu sur ce qu'on connaît. Okay. Voilà, parce que bon, selon les différents nerfs, effectivement, s'il y a plus de balls qui sont sortis ou autres, y a des counters qui sont assez simples pour une ball, donc nous, ça nous pose pas trop de soucis si ça vient à être joué constamment une méta ball. Donc on sait un peu comment la counter, parce que sur Overwatch 1, il y avait souvent la fameuse compo ball Brixel, on avait appris à jouer contre, donc voilà, c'est à peu près ce qu'il faut faire. Ok, je vois. Non, bah écoute, franchement, moi, toute honnêteté, comme j'ai dit en l'écrit, là, hein, c'était vraiment une map intéressante, justement, sur Eichenwald, où je trouve on était vachement. Ce que je disais en vocal, hein, c'est on souhaitait de l'adversité pour la troisième map, ce qui nous a un peu manqué, première map, et finalement, deuxième, bah, c'était vers la fin. Et, ouais, ça a donné plein de surprises, et non, c'était plutôt sympa, vraiment. Voilà. C'est cool qu'il y ait du beau spectacle. Merci pour les castes en tout cas, c'est cool. Et pour l'organisation aussi, hein, faut le dire. Hein. Ah. merci à vous. On a notre régisseur en PLS actuellement, il ne nous parle même plus. Il est en mode qu'est-ce qu'on fait là? Non. Moi j'ai une dernière question pour toi, Mig.
Est-ce que dans votre équipe, ça s'est ressenti que vous jouiez contre des joueurs console? Parce que vous avez peut-être pas forcément l'habitude. Franchement, pas trop en vrai. Dans le sens que nous, pour le fait qu'ils soient console ou pas console, c'est pas quelque chose où on va se dire ça va être plus simple ou ça va être plus dur. Non, franchement, pas trop en vrai. Pas trop. Ok. Franchement, si on savait pas qu'ils étaient console, je sais pas, je l'aurais même pas détecté en vrai. Hein, donc, ouais, t'aurais pas deviné quoi. Ok. Ouais, j'aurais pas deviné. Ouais. D'accord. Bah, c'est à peu près tout pour moi. Il me semble. Pareil aussi, non ? Voilà. Bon, bah, merci beaucoup. Bonne soirée. Ouais. Merci de venir pour les interviews pour lesquelles il a répondu. Hein. Pas de soucis. Merci encore aux Ultra. On vous aime, les gars. Les filles aussi. Apparemment, ils t'aiment aussi parce que. Ils te souhaitent bientôt le voir, Wesh League. Allez, let's go. on y croit. Allez. Merci en tout cas. Bonne soirée, tout le monde. À bientôt. Bonne continuation dans le tournoi. Merci beaucoup. Ciao. On va donc maintenant recevoir Suprême en interview pour l'équipe de la Soul Academy. Bonsoir Suprême. Yo. Bonjour. Ça va ? Ça va et vous ? Écoute. Ça va, je te remercie. Hein. Ça va plutôt bien. Suprême, dis-moi, ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu. Je racontais tout à l'heure une anecdote. Tu es la première personne que j'ai cast. Tu as fait partie. Tu étais dans le premier cast que j'ai fait, effectivement, sur console à l'époque. Ça fait longtemps. Ça fait en fait depuis que j'ai commencé les teams, il y avait du coup ce groupe de potes. On s'est un peu perdu de vue et puis là on s'est dit, oh, bon c'est bon, tout le monde est passé de plateforme à plateforme. Du coup on s'est dit on refait une équipe vu que maintenant l'aide à la visée est entre PC, PS et console. Du coup on s'est fait, bon on va faire un petit kiff, on va faire un petit tournoi et puis voilà. Écoute, yeah. Si tu veux que je te raconte une anecdote... À 10 jours près, ça faisait pile poil 2 ans. À 10 jours près, ça faisait pile poil 2 ans que je t'avais cassé pour la première fois. Ah ouais. Bon, c'est quand même beau les coïncidences, mais bon. Voilà. Voilà. Bref, on va se reconcentrer plus sur la partie interview de ce match. Alors, comment avez-vous ressenti ce match du côté de la Soul ? Le dernier match qu'on a fait, dans ce tournoi, on a perdu 3-0. Du coup, il y avait un grand manque de team play. Du coup, on a bossé dessus. Et surtout sur tout ce qui est focus, etc. Et du coup, là, c'est beaucoup mieux passé. Première game, on a un peu pour chauffer, un peu en moteur diesel. Et après, ça a déroulé. Et du coup, il faut qu'on s'améliore encore sur quelques trucs, mais c'est en voie de progression. Ok, vous n'étiez pas... Justement, un peu l'inverse de ce que j'avais posé tout à l'heure, justement, pour la Hydra. Est-ce que vous n'étiez pas surpris de cette première map où c'était un peu à sens unique ? Bah non, parce qu'on savait les erreurs qu'on faisait, du coup, au final, on savait qu'on avait fait n'importe quoi et que c'est normal qu'on allait perdre la game, quoi. Ok, donc ça, vous n'étiez pas en perte de confiance. Ok, c'est pas une mauvaise chose. On sait que les KOTF, nous, voilà quoi, c'est pas notre point fort. Ok. Et du coup, j'ai plus parlé plutôt de la troisième map, hein, parce que la deuxième, bon voilà, hein, c'était plutôt effectivement, c'était pas trop compliqué en soi, enfin sans manquer de respect hein, bien sûr à l'équipe adverse, hein, l'équipe de l'Hydra, mais la troisième du coup... On a senti beaucoup de difficultés. Alors après, on a vu effectivement Magica au début qui était on fire sur sa fatale. C'était quoi un peu le plan de jeu ? Vous avez cherché à mettre en place ? Le plan de jeu, c'était un peu de faire un espèce de d'ouvrir les lignes et de laisser de l'espace tout en essayant de leur prendre de l'espace à eux. Ok. Et laisser les carries, et moi me mettant sur Orisa avec un perso pas très très rigolo, mais au moins ça fait le taf. Du coup, voilà. Parce que moi, à la base, je suis plus un autre Diva. Du coup... c'est clairement l'a vu, parce que... C'est vrai que tu parles d'Orisa, mais c'est vrai que j'étais plus vu, j'ai l'impression, sur Diva qu'Orisa. Surtout la fin de la map, hein, si c'est pas de bêtises. Hein. Ouais, la fin de la map, et sur Gibraltar aussi, du coup. Ok. Et là, avec ces joueurs de coup de la Soul Academy, tu joues depuis longtemps avec eux ? Ou c'est il y a pas mal de changements, c'est un peu récent ? Alors, R&D et Apoc, du coup, les deux heals, ça fait depuis le début que je joue avec eux, depuis le début de la création. Ils ont donc changé de plateforme, et ils sont passés sur PC.
Et Magica a rejoint le roster quand on était en iMaster GM de Hello. Et après, Sakna, c'est un petit nouveau parce qu'il nous manquait un DPS. Oui, parce que Sandy était absent ce soir, c'est ça? Oui, voilà. Voilà. Et Sandy, qui est un bon joueur également. Non, je sais pas. Je pars dans le vide, là. Ok. Bah écoute, ouais, non, vous avez fait bonne perf, hein, comme j'ai dit, là, le... sur Eichen... sur ouais, Eichenwald, justement, t'es super close. Hein. Surtout cette fin-là, hein, où... Moi, je me suis dit au début, c'est... Enfin, ça aurait pu être possible, quoi, hein, vraiment, pour l'Hydra, hein, de la win, hein, même ouais. Si... Après, vous avez des ults, voilà, vous étiez un peu plus armé, mais... côté call, c'était pas trop le bordel côté, avec ton équipe, hein. Vous y arrivez quand même à être clair. Sur le dernier fight où le Reaper est en 1 contre 2, là, c'était avec le ult Mei. Ouais. C'était... Ah non, c'était un peu le bordel, on va pas se mentir. C'est Reaper et One, et l'autre qui meurt, il fait « Allez, pas Apoc, tue-le !» Et au final, il a pas réussi parce que c'est un Reaper avec un ult, c'est un peu compliqué de le tuer. C'est vrai. Du coup, on s'est dit « Bon, tranquille, baqué, on prend les hauteurs et on re-engage avec mon ult Orisa. » Et au final, après, on a pris 2 pics avec cet ult Orisa. Mm. Et on a gagné le... Voilà. Ça aurait été mieux de gagner le fight, mais au final, on a quand même gagné. Oui, je vois, effectivement. Et puis surtout, c'est vrai que ce pic Sagna là, qui nous est sorti... c'est marrant parce que le switch là, fatal, après Magica qui joue ce pic-là, mais sur Eichenwald, il est sorti une grosse, grosse map. Hein, vraiment, sur sa fatale... Tu n'es pas lui passer le compliment hein, parce que vraiment il a fait une grosse game. Ouais. Bah, sur les HS, c'est quelqu'un de confiance. Après, faut pas qu'il sorte Genji, mais sinon ça va. Ok, je vois. On a pu voir aussi Apug qui était assez solide sur sa Ana sur Eichenwald notamment, où il a calé pas mal de debuffs sur la Orisa qui a permis de la tomber à chaque fois. Faut souligner ce travail fait par les heals. C'est assez compliqué de le voir en game. Donc quand on a une Ana qui justement a une action directe sur ça, il faut le souligner. Ouais. Bah, tout le monde a joué son rôle. Ouais, c'était assez sympa à regarder en tout cas. Et à caster. Là, est-ce que vous avez du coup une ambition entre guillemets en faisant justement c'est un tournoi hein, si je dis pas de bêtises. Hein. Oui, c'est un tournoi. Ouais, justement, ce tournoi, vous avez l'ambition de chercher ce top 1 ou c'est plus en termes juste d'entraînement et de se dire vas-y Alors, le top 1 est prenable parce qu'on a, on a beaucoup d'expérience en tant que. On a fait beaucoup de tournois, on a beaucoup été gagnants, finalistes, etc. Du coup, le top 1 est prenable. Après, forcément, c'est pour s'améliorer, mais. Je vais dire un peu des deux, on va dire. Ok. Ok, voilà. Bah écoute, bon, non, mais c'est bien, c'est fixé, hein, c'est... Moi, je te le souhaite, hein, clairement, hein, je souhaite qu'on équipe puisse y arriver. Hein. Bah, clairement, j'attends que ça, de pouvoir vous recast encore et encore, en souvenir de la belle époque, dirions-nous. Ouais, bah... Voilà. La semaine prochaine, peut-être. Peut-être la semaine prochaine, on verra bien. Voilà. Ouais. Bah écoute, de mon côté, j'ai pas plus de questions que ça. Je sais pas si t'en as d'autres, effectivement, en online. Non, j'en ai pas d'autres non plus. Je pense pas pouvoir en rester là. Effectivement, yes. Je te remercie en tout cas d'être venu, Suprême, d'avoir répondu à nos questions. Hein. Bah merci d'avoir cast, c'était cool. Bah pas de problème. Je te souhaite bon courage pour la suite en tout cas. Hein. Allez, bye. Merci beaucoup. Bonne soirée. Ok, du coup, bah est-ce que là c'est une pub ou est-ce qu'on. Alors. On va pouvoir élire le MVP maintenant, mon cher Alarme. Alors, je vais me ressortir la liste des joueurs. écoute, alors, moi pour l'instant, ouais. je vais faire un listing des joueurs. Au fur et à mesure, je vais te dire des pour et des contre. Tu me suis ou tu me suis pas, on verra. Et après, je te propose qu'on élise le MVP au final ensemble. Vas-y, hein, n'hésite pas à donner ton avis, effectivement. Donc, on va commencer par la Hydra Nulisk. Donc, on a Mig, leur tank, qui était, d'après moi, assez solide sur ses appuis, qui a pas trop,
qu'il n'y a pas trop grid non plus, même si c'est arrivé de temps en temps. Voilà. Ouais. Il a assez maîtrisé son tank. On a évidemment l'Hiro en DPS du côté de la Nulisk. Je sais pas ce que t'en penses. Moi, pour moi, il a été ultra solide, que ce soit sur sa dernière map ou même sur Iconwald, où il a failli clutch la map. Mais malheureusement, ben, on a vu que ça n'a pas été suffisant. Quoi. Voilà, il a été excellent, il n'y a pas à dire. Mais ça n'a pas suffi pour maintenir sa team dans ce match. Ah, en vrai, honnêtement, je pense qu'on va peut-être plus réfléchir en termes de match. Genre, sur la première, j'ai pas eu une enfin, à cause du fait que ça soit un match à un sens unique, j'ai pas eu de sensation de joueur qui s'élève parmi les autres, tu vois. Donc, première map, moi, je donnerai pas de perso. Deuxième map, alors, à l'inverse de ce qu'on pourrait penser, moi, j'aurais peut-être pensé à Apo, parce que... Alors, effectivement, aussi, hein, Sakna qui nous a fait un gros taf avec sa Widow, mais j'aimerais être un big up, à, si je dis pas de bêtises, à Apo, parce que c'est lui qui a joué Ana, et effectivement, ses purples ont été vraiment efficaces, et je pense qu'il aurait... Par exemple, si t'aurais changé le joueur, je serais changé, je pense. Donc là, et pour le coup, j'aurais donné à Apo. Même sur son Baptiste, il était pas mauvais. Même quand il était sur Baptiste, il pouvait moins se faire la diff, il était assez intéressant à regarder. Il avait quand même des belles emotes, tout ça. C'est ça. Et effectivement, la troisième map, alors ça se bat. Ça se bat parce que, effectivement, t'as l'Hiro. Qui fait une très bonne presta en changeant son pic pour jouer Fatal, et il prend l'ascendant face à Magicka. Hein, vraiment, je crois, à partir du moment où il switch, il y a ce fight. Y a un changement, dans le tournant de la map. Mais d'un autre côté, il y a plusieurs personnes. Enfin, il y a le côté où aussi, ben justement, il y a à la Suprême. Vraiment, par son tanking, je trouve qu'il a fait vraiment le café. C'est difficile de donner une seule personne. Mais on va dire sur la régularité, je dirais Suprême. Ouais, par rapport à la manière dont toutes les games ont été faites, ouais, la régularité, ouais, Suprême. Moi, ouais, c'est mon avis. Alors, moi, concrètement, je suis un peu d'accord sur le fait que Suprême soit assez régulier sur ces games. Par contre, je suis pas d'accord sur un point, c'est sur le fait que Apogée, par contre, de son côté, mérite plus le MVP pour ce match. Il a, même sur la map où ça a été compliqué pour eux, sur Oasis, il a été bon. Et c'est à là qu'on reconnaît les grands joueurs, entre d'énormes guillemets, hein. Voilà, on sait qu'on n'est pas parmi les meilleurs ici, mais Apogée a su se démarquer sur ce match. Hein. Moi, c'est pour ça que je lui mettrai le MVP à lui. Après, la décision nous revient tous les deux. Je suis prêt à faire un pas en avant pour toi en faveur de Suprême. Eh ben écoute, si je gagne le procès, moi ça me va aussi. Hein. Partons sur Suprême, hein. Écoute, hein, en tant qu'MVP, bravo à lui en tout cas, du coup, hein, si on part dans cette décision-là. Bravo à lui. Ça m'a l'air bon. Et du coup, à moins qu'on ait contestation, ça devrait aller. Exactement. Est-ce que non, il y a un autre match ou là c'est... Non, c'est fini. C'est fini pour nous. Okay, c'est fini pour nous. Bon bah du coup, merci à ceux qui ont suivi, ceux qui ont participé, les ultras, genre notamment Darkfire, hein, était... Darkfire, hein, vraiment, il était. C'est dommage qu'on puisse pas voter pour eux comme MVP quand même. Parce que ça, honnêtement, MVP le. Ouais. Moi j'aurais mis MVP les supporters là pour ce soir. On n'a pas pu trop réagir avec le délai, mais c'est vrai que c'était assez insane ce qui se passait dans le chat. On avait pas mal de en affrontant MIG, ils subiront la fatigue. Voilà, c'était assez intéressant. Du côté des ultras de la New Leask. Voilà, après, moi, c'est que mon avis, mais on peut pas élire, on peut pas élire les supporters. Donc, c'est dommage. Ah, un peu de dégamagogie, mais effectivement, non. Après, voilà, ils ont fait une belle perf. Enfin, ils ont animé. Et c'est bien d'avoir des gens qui te soutiennent derrière.
Effectivement, ça aide et tout. Bon, ta perf. Non, mais je pense que là, on va pas éterniser le débat. Le live, c'était cool. Non, c'était cool, puisqu'on avait du retard, donc non, c'est bien passé. Je remercie en tout cas Bugenji de m'avoir permis encore une fois, une deuxième fois, de caster. Aussi, du coup, mon deuxième caster online, hein, toujours un plaisir. Et merci à toi voilà. d'être venu nous accompagner sur ce cast. Et à bientôt, j'espère, sur un nouveau cast. Eh bah écoute, avec plaisir. Au revoir. Voilà. Au revoir tout le monde. Passez une bonne soirée.